your ends. Salut à tous et à toutes, c'est Tamix. Comment allez-vous? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est sur Titanfall et je suis censé être en live. Sauf que je viens de faire ce gameplay et je viens de remarquer également que je n'avais pas lancé le commentary. Donc là je me retrouve à dire en fait qu'il y avait Zora, que j'étais avec Zora et puis qu'il était derrière mes fesses. Bref, et que j'étais aussi pas mal concentré sur le gameplay, sur ce que je vous ai. Au début, c'est vrai que j'ai pas trop parlé, vous verrez, j'ai fait une grosse série. Donc je vais faire un gros gameplay, enfin un 57. Peut-être mort un peu trop de fois, mais bon, ça, c'est plutôt pas mal. Surtout que j'étais encore en live commentary, donc se concentrer à parler aussi, c'est pas facile. Et bien entendu, j'ai réussi à gâcher ce live commentary, tout simplement parce que je suis distrait et idiot. Voilà, voilà, c'est pour ça que je ne fais pas de vidéo, c'est parce que chaque fois je fais une erreur. Donc, pour être plus sérieux, je fais cette vidéo pour donner plusieurs nouvelles. Premièrement, pourquoi est-ce que vous me voyez sur Titanfall, vous vous dites? Tout simplement parce que en fait, il y a une reprise de l'e-sport sur Titanfall. En effet, il y a un gros tournoi qui se fait, qui est organisé par Microsoft. Ainsi que le tout géré au niveau du tournoi par Glory4Gamers. Ce tournoi, c'est un tournoi à 10 000 euros en tout, 1500 euros de lot et le reste c'est du. Voilà, vous pouvez remarquer d'ailleurs une très jolie trip et hop pour le méga frag, on fait encore un petit magnum. Et je vais essayer de continuer et de faire. Autre kill, vous voyez que là ils spawnent tous sur ma gueule, en fait j'aurais dû lancer une grenade, j'aurais fait une triple, au moins. ouais, c'est vrai que ça aurait été une bonne idée, mais enfin bon. Sur le moment, on peut plutôt courir, et regarder le petit gars qui est derrière, enfin bref. Donc, comme je l'ai dit, 6500 euros de lot, donc c'est 5000 euros pour les premiers, 1700 pour les deuxièmes, car c'est une finale qui sera en LAN, chez Microsoft. Un peu pour ceux qui ont participé, qui ont suivi l'actualité Games of War, il y a eu une coupe de France, il y avait Synergy et Tess en finale. Les Tess ont reporté la finale, mais bon, c'était serré au niveau des points. Sur Go, c'est très serré. Là, autre petit spawn kill, je vais peut-être refaire un petit méga frag bientôt. Enfin. Et donc, on est. Il y a 5000 euros pour les premiers avec 5 fois. Un abonnement de 12 mois, 5 fois une édition collector Titanfall Xbox One, 5 fois des casques Turtle Beach, et je crois que c'est tout et c'est franchement pas mal. Et pour le reste, le deuxième c'est 5 abonnements 12 ans et puis 12 mois et 5 casques Turtle Beach plus 1500 euros à se départager si je ne m'abuse. À part ça, on a vraiment hâte d'y aller, donc on a repris avec la Genius. On est reparti toujours avec Ricky, Zora, justement. Il y a aussi Lux et Circa, bien entendu. Voilà. autre méga frag. Est-ce qu'on continue le méga frag? Oui, ça continue et je meurs. 23-2. Donc j'ai fait une série de 19. Tout ça en live, ça me brise le cœur vraiment de faire le mec qui rentre après par-dessus. Enfin bon, sinon sur ce tournoi, il y a 4 phases qualificatives, ça commence dès ce samedi. Chaque samedi, pendant 4 samedis, il y a des qualifications. Et après, une fois que vous êtes qualifié, vous êtes prêt pour les demi-finales. Les demi-finales, c'est un bracket de 16 où chacun vont se disputer la première et la deuxième place pour pouvoir être qualifié tout simplement en finale. J'imagine que la finale ne se joue pas dans ce tournoi où les premières et deuxième places, ouais, c'est les deux qui passent, voilà. Enfin bref. Et sinon. Sinon, je pense que c'est tout. Ce que je vais faire, bien entendu, c'est streamer. J'espère, normalement, ça sera fait.
Je le dis d'avance parce que c'est pas qu'on a la confiance et tout, mais c'est pour se motiver, etc. Mais on va être qualifié à cette demi-finale. Et pour la finale, bah, on croise les doigts, on va tout faire pour. On va y aller d'arrache-pied, on va se démonter, tout ce que vous voulez. Je peux continuer à balancer des mots comme ça pour arriver à cette finale, parce que mon Dieu, qu'on a envie de décrocher rien que, d'être à cette LAN tous ensemble. Et en plus de pouvoir ramener 1000 euros, ce serait top, chacun chez soi. Ce serait vraiment le top du top. Sinon, il y a également TF eSports, dont je suis officiellement maintenant YouTube Manager. Déjà du mal à manager ma propre chaîne YouTube, vous allez me dire. Mais ouais, effectivement, comme je vous l'ai dit, je suis parti en vacances. Et après, quand je suis revenu de vacances, j'ai eu d'autres petits voyages assez sympas en montagne et tout, des petits trucs. Et puis ensuite, quand je voulais faire une vidéo, il y a eu des soucis. J'avais préparé une vidéo déjà il y a une semaine sur BF3 pour vous préparer tout ce tournoi et tout. J'étais déjà un peu au courant et tout. Je voulais faire un peu de teasing, etc. Et j'ai pas eu le temps parce que le lendemain tout a été balancé officiellement. Là, je vais faire peut-être des petits frags au Magnum, un au moins. Oui, et je vais continuer, je crois, encore un peu au Magnum. En tout cas, comme je vous l'ai dit, on va tout faire pour arriver au King. Et sinon, voilà, donc TF eSports s'est relancé, il y a un nouveau donc Akios avait disparu, puis sur le moment où il a réapparu, c'est pour tout ce qui était dans le membre staff, partir, qui a été viré, quoi, tout simplement. Je trouve ça un peu pas très cool de sa part, quoi, mais a complètement freeze l'eSport Titanfall, et puis... Et puis voilà quoi, c'est dommage. Je pense que sans ça, il aurait pu avoir une plus grande activité. Il y avait une meilleure gestion aussi, hein, YouTube qui aurait été créé dès le début par un autre méga frag. Et donc ce Mario s'organise des ODC tous les vendredis. Donc ça sera avant les qualifications. Et puis chaque fin de mois, un vendredi, eh bien il y aura jusqu'à 200, je crois même 250, je sais pas, 250 euros de lot. Tout simplement le premier 250 euros tout simplement à gagner. Je dis pour le premier, peut-être que c'est réparti entre les trois premiers, je ne sais pas du tout. En tout cas, là je suis au train de dire, quand j'ai regardé mon score, j'étais à 46. Ouais, allez, allons-y, il faut absolument que je fasse les 50 kills. Attrapons la moitié des kills de l'équipe, c'est-à-dire que j'aurais fait tant de kills que toute l'équipe réunie, et ça fait zizir, quoi, parce que voilà, c'est cool, ça fait swag, ça fait swag dans le tableau. Et puis voilà, donc comme je vous l'ai dit, je pense que j'ai pas grand chose à vous dire. Si vous voulez être au courant pour les streams, j'essaierai peut-être de lancer un petit sur YouTube, mais ce sera le samedi vers 18h je crois, ou 15h. Pour être au courant des horaires, vous avez qu'à me suivre sur Twitter. Je vous mettrai le lien du tournoi de Frog Gamer dans la description également. Sinon, je pense que j'ai rien d'autre à ajouter. Là, on cherche le dernier kill absolument. Et voilà qui se présente à nous. Hop, et on est à 50 kills. Et un autre petit gars qui va être là-bas. On va se dire, est-ce qu'on va faire un... Non, non, ah, non, il m'a stoppé. À la carte, j'ai pas pu faire grand chose, même on tire au-dessus de la tête. Enfin bon, 57 avec 12 assistances. 12 assistances, ça fait presque 62 kills. Imaginez, donc, enfin bon. Je sais même pas pourquoi ils ont mis des frags de titans, quoi. Ils sont pas très très malins chez Respawn. Bref, j'espère vraiment que vous aurez apprécié cette petite vidéo avec toutes ces petites news. J'essaie d'être le plus concis possible et aussi le gameplay, parce que. Alors, plus de 5 de ratio, c'est quand même pas mal, quoi. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Facebook, à lâcher un petit like, et puis moi je vous dis tout simplement à la prochaine. Jusque là, portez-vous bien, ciao, ciao.